C'est un débat qui prend de l'ampleur. Faut-il créer le fichier Edwige? Nous en avions parlé au mois de juillet. Il s'agit de recenser les personnes susceptibles de troubler l'ordre public et aussi les responsables politiques, syndicaux, économiques. Un fichier qui peut mentionner les activités, mais aussi les préférences religieuses ou sexuelles. La gauche et le MoDem lancent un appel solennel pour demander le retrait de ce projet jugé liberticide. Karine Komadzi, Samuel Humez. Elle s'appelle Edwige et bientôt, elle vous aura à l'œil. Edwige, une base de données contrôlée par la police qui permet le fichage par décret de toute personne ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique. Peuvent être fichés aussi ceux qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux. Fichés enfin les individus ou groupes susceptibles d'atteindre à l'ordre public et ceux dès l'âge de 13 ans. Autant dire qu'à peine née, Edwige s'est fait de nombreux ennemis. 700 associations, près de 100 000 citoyens disent non à son application. La première à avoir déposé un recours, c'est elle. Lepage, Corinne, 57 ans, MoDem et Cap 21, avocate, hétérosexuelle, en bonne santé. On comprend très bien que la société doit assurer la sécurité, c'est un élément absolument essentiel. Mais de passer d'une présomption d'innocence à une espèce de présomption de culpabilité généralisée, c'est quand même très dangereux. Parmi les données qui pourront figurer sur le fichier, la préférence sexuelle et l'état de santé, un argument choquant pour l'Association des paralysés de France. On fiche ceux qui font des choses de leur vie quotidienne pour essayer d'améliorer la situation d'eux-mêmes ou de leurs amis. Je trouve cela simplement incompréhensible et donc inacceptable. Nous sommes allés voir un spécialiste de la criminalité, Alain Boer, qui rappelle qu'un fichier des renseignements généraux existait déjà, mais pas officiellement. Il comprend l'émotion que suscite Edwige. Il est très mal écrit, ce texte. Il est écrit avec les pieds. Un juriste normal aurait un zéro pointé en première année de droit pour l'avoir rédigé sous cette manière-là. Pour l'opposition, c'est bien la preuve qu'un État policier se met en place. Je ne pense pas être une menace pour la sécurité du pays, comme tous ceux qui sont engagés dans des syndicats ou des associations. Donc c'est cette clarification qu'il faut apporter aujourd'hui. C'est un fichier qui existait avant et on a juste changé le nom, on a changé le logiciel. Donc c'est le fichier DRG qui est extraordinairement contrôlé. Avant même son entrée en application, Edwige peut déjà consulter la liste de ses ennemis.